Salutations à vous mes petits corbeaux de YouTube et à ceux qui me suivent sur le live actuellement. Donc, première partie, nous allons faire cet unboxing de la GCB05 Prismatic Diva. Donc, il n'y a qu'une seule boîte, ce coup-ci j'en ai commandé qu'une boîte, mais j'ai déjà ouvert quelques boosters à Strasbourg lors du week-end du 22-23 et même le vendredi 21, jour de sortie de cette extension. Et donc aujourd'hui, on va regarder un peu ce qu'il y a dans cette boîte, ce qu'on va sortir. Alors, j'ai déjà plus ou moins ce qu'il me faut, mais il y a quand même, qui dirait, des choses que je préférerais avoir, et de toute façon, ça complétera mon binder spécial sirène. Donc, dedans, vous avez une PR qui est également dispo dans les TD. Donc là, j'ai eu Shizuku, que j'ai déjà eu. Dans le TD que j'ai acheté vendredi dernier. Donc nous avons 12 boosters si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, j'ai fait deux tas de 6 boosters, comme ça ce sera parfait. Donc je vais poser la petite boîte ici avec la petite paire Shizuku, comme ça, si les gens nous rejoignent en cours de live, verront également quelle paire j'ai craqué. Donc, on va mettre le premier tas de boosters ici, le deuxième ici, et c'est parti pour l'ouverture du premier booster. Donc, contrairement à d'habitude où j'ai tendance à garder les boosters, vu que j'en ai déjà récupéré à Strasbourg, j'ai pas besoin, donc ça va aller relativement vite. Bon, voilà. Si je commence à vous attarder, ça va pas le faire. Donc, premier booster, Happy Ears, Melowill, Heartstroke, Linwell, Chouchou, Jutuk, du support Chouchou, et une rare, Marronnier. Je vais les classer par grade et par rareté, donc là-bas ça va être les communes. Ça c'est une R d'ailleurs, tant pour moi, commune, grade 2, commune, grade 0, et commune, grade 0, et R, grade 2. Voilà, deuxième booster. Alors pourquoi je les ouvre dans ce sens-là? C'est parce que si c'est un SP pack, la première carte est retournée. Donc j'espère, mais j'y crois pas trop, avoir un SP pack choral, mais on verra bien. Donc une grade 1 commune, une grade 2 commune, une grade 0 commune, une grade 2 commune, une grade 0 commune, une grade. 0 R et une double R, le G Guardian Chouchou Plati, qui est super swag en SP. Mais là, c'est la version double R. Celui-là, ça sera un peu à part. Parce que c'est vrai que j'avais oublié les grades 4 dans ma position. Top. Troisième booster, donc. Top. Grade 2 commune, grade 2 commune, grade 0 commune, grade commune, R grade 1 et Engeant GR. Putain, alors. Bon, je crois que je vais compléter pas mal mon binder ce soir parce que la double R là je l'avais pas et la GR je ne l'avais pas non plus. Donc voilà, déjà ça c'est fait. Hop là. Ensuite, grade 3 commune, grade 2 commune, grade 3 commune, grade 1 commune, grade 0 commune, une grade 2 R qu'il me fallait, et une grade 2 R, voilà. D'ailleurs, derrière le cas, j'en ai pas beaucoup. Et ça craint. Faudra sans doute que je commande. Grade 3 commune, grade 1 commune, grade 1 commune, grade 1 commune, grade 0 commune, grade 1 top. Et Wonderful Voice Loris en double R. Donc voilà. Bon, on a quasiment fait toutes les grosses parties de la boîte. Ça me désole un peu. Mais ça remplit mon binder. Grade 1 commune, grade 3 commune, grade 0 commune. D'ailleurs, on fera peut-être le binder juste après.
grade 0 R et grade 2 R. Pour que vous puissiez voir un peu l'étendue de la calque. Sachant qu'il faut que je rebouche certains trucs parce que je me suis rendu compte que j'avais des oublis. Et du coup, c'est un peu la dèche. Grade 1, grade 0, grade 1, grade 1, grade 0, grade 3, R, et double R, Sera. Putain, ça c'est cool. Mais du coup, je crois qu'on a craqué toutes les raretés. On a craqué toutes les raretés, du coup, ben, tant pis. Mais c'est cool, j'ai pas eu encore une nouvelle Arcadia parce qu'en fait, j'avais commandé 4 Arcadia. Et j'en ai craqué deux à Strasbourg, ça m'avait foutu bien les boules. Mais voilà. Grade de commune, grade de commune, grade de commune, grade de commune, grade 0, grade. Merde. Bon, ça me fera une deuxième rivière, je pourrais la mettre dans mon deck. Ça, c'est cool. Et du coup, la grade 1 R ici. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints sur le chat. Il reste actuellement 4 boosters à ouvrir, celui que je tiens dans les mains et compter. Hop. Donc, grade 1 commune, grade 0 commune, grade 1 commune, grade 1 commune, grade 0 commune, grade 1 R. Et Eleanor. Ah merde, je crois que celle-là je l'ai déjà dans mon binder. Double R. Ah, il y a combien de. Ok. Je pensais avoir craqué toutes les raretés, mais en fait non. Du coup, il reste 3 boosters. Top, avant de passer au TD. Donc, grade 1 commune. Oula, ça sert à rien. C'est mon bloc alimentation, le PC qui se casse la gueule. Parce que genre, je suis sur un PC portable. Grade 2 commune. Grade 3 commune. Grade 3 commune. Grade 0 commune. Kuna en R, donc stride R, et un autre stride R que je n'avais pas, je crois, dans mon binder. Top. On passe à la suivante. Top. Avant-dernier booster. Grade de commune, grade une commune, grade une commune, grade une commune encore, grade 0 commune, grade 0 R, et grade 2 R. Je suis clairement en manque de Ruruka, et ça, c'est mal. Et on passe donc, c'est le dernier, donc pas de SP pack. Tant pis. Grade 0, commune, grade 2, commune, grade 2, commune, grade 2, commune, grade 0, commune, grade 1, R, et grade 1, R. Donc voilà pour les sorties. Donc hop, on va ranger ça par grade. Enfin, par rareté et par grade, enfin, de faire un peu de place pour voir tout ce qu'on a sorti en rareté double R et plus. Top. Top. Voilà. Top. Donc, en double R, nous avons sorti. Une platy. Donc j'ai gardien chouchou. Je vais pas arrêter de shooter dans mon bloc d'alimentation. C'est craint. Désolé. Top. Une j'ai gardien chouchou du coup platy. Chouchou engage lead platy. Une wonderful voice Loris. Grade 3. Love collect Eleanor. Une grade 2. Et chouchou Sera. Le crit double R de l'extension. Top, je les laisse ici. Alors, peut-être comme ça, on les voit mieux. Et ensuite, en triple R, nous avons donc eu une Legendary Idol Rivière. C'était pas celle que j'aurais préféré avoir, puisque je l'ai déjà dans mon binder. Mais ça s'ajoute toujours à la G-Zone de mon corral, donc ça va. Hop. Et la GR Perfect. Perfect Performance Ange. Donc ça c'est cool pour mon binder. Je la jouerai pas, mais voilà. Donc voilà, la vidéo pour YouTube s'arrête maintenant. Je vous dis à ciao, à plus, à bientôt pour de prochaines vidéos.
N'oubliez pas de regarder si cela vous intéresse également l'unboxing du TD Diva qui sort juste après, sans doute le lendemain.